Coucou et bienvenue sur cette vidéo pour le sixième jour de ce Vlogmas. Sixième jour, sixième plante. Je vais pouvoir ouvrir avec vous ce petit tiroir et on va voir ensemble quelle est la plante qui se cache dedans. Allez, c'est parti! Alors cette sixième plante, comme vous avez pu voir, c'est le Hoya linearis, un Hoya que j'adore et c'est un des premiers Hoya que j'ai eu et que j'ai voulu. C'est un Hoya magnifique, assez particulier j'avoue dans son allure. Je vous le montre tout de suite. Voilà. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le connaissaient déjà, mais voilà. Je vous montrerai peut-être une petite vidéo pour vous le montrer quand il est suspendu parce qu'il est assez long. Voilà, et j'ai un petit peu peur de l'abîmer. Voilà, il est dans une suspension, j'en profite tant que je l'ai à la main, il est dans une suspension plastique. Il supporte très très bien d'être dans un pot plastique et de toute façon mes suspensions, la plupart sont dans des pots plastiques. C'est un Hoya qui aime l'humidité ambiante, ça c'est sûr. Et il aime être vaporisé, oui, c'est assez curieux parce que quand on le voit, en fait, il a une espèce de... un aspect velours, un petit aspect velours sur le feuillage. Je ne sais pas trop comment vous la montrer de près, en fait, voilà, sans que ce soit, sans que ce soit flou. Voilà. Donc vous voyez, c'est une potée, il y a plusieurs pieds hein, de Hoya dedans. Je l'ai rempotée, je ne sais plus quand en fait. Je crois que c'était avant la fin de l'été, mais je ne sais plus exactement. D'ailleurs, il me semble que j'allais filmer, je ne suis pas sûre. Voilà, c'est un Hoya que j'adore, qui je trouve pour moi, qui à mon avis est plutôt simple. Est plutôt simple dans l'ensemble d'entretien. Voilà, il aime être vaporisé, oui, alors il y a beaucoup de personnes, déjà pour, enfin, il faut que je revienne au début. Le Hoya, c'est une plante de la famille des Apocynacées. Beaucoup de Hoya, en fait, ont des feuilles souvent épaisses, et malheureusement, beaucoup de personnes les assimilent à des succulentes. Ce ne sont pas du tout des succulentes, les Hoya. Il ne faut pas les traiter comme une succulente. C'est-à-dire, il ne faut pas les assécher, il ne faut pas... voilà, ce n'est pas une succulente. Par contre, ce sont des plantes qui supportent de sécher vraiment bien entre deux arrosages. Ça n'aime pas être dans un terreau humide. Il faut laisser sécher entre deux arrosages, ça c'est obligé. Mais par contre, pas trop longtemps. Voilà, c'est le problème que souvent on retrouve, c'est que les Hoya, on les assoiffe. On les laisse trop sécher en se disant, voilà, ce sont des feuilles un petit peu gorgées d'eau, elles ont une réserve, oui et non en fait. Elles n'aiment pas sécher trop longtemps. Il faut qu'elles sèchent entre deux arrosages, mais pas trop rester sèches. Et celle-ci aime vraiment beaucoup être vaporisée, elle aime l'humidité. Donc en fait, quand je l'amène à l'arrosage dans la cuisine, je la baigne. Je la fais complètement tremper et après je vaporise tout son feuillage d'eau déminéralisée, non calcaire, c'est mieux pour le feuillage. D'ailleurs, les Hoya préfèrent de l'eau non calcaire. Là, je vois qu'elle est en train de pousser. Vous voyez, c'est un petit peu plus clair que le reste. Elle m'a déjà fait des fleurs, je vous montrerai par ici. Il me semble que c'est par ici que je vous montre. Une petite photo de ses fleurs parce qu'elles sont sublimes. Elle m'a déjà fait deux floraisons. Oui, deux floraisons, elle a fait. Pas non plus envahie de fleurs, hein, mais voilà, elle m'a fait deux floraisons, ce qui est déjà très très bien. Le substrat pour les Hoya, alors c'est un des rares substrats que je fais un peu plus de mélange. Je mets du terreau plante verte et du terreau orchidée. Elles aiment les écorces de pin, en fait. Ça, voilà. Il y a le drainage et il y a, je pense, c'est l'acidité de l'écorce de pin qui leur va bien.
et de la perlite. Voilà, c'est le mélange que je fais et qui apparemment marche très bien pour les hoyas, puisque tous mes hoyas sont dans ce mélange-là. J'ai toujours fait ça depuis que je les ai. Je les ai tous basculés dans ce mélange-là et franchement, à part peut-être le Wayeti Variegata qui fait un peu plus la tête, mais je pense que c'est plutôt le pot qu'il faut que je mette en pot terre cuite. Mais sinon, les hoyas se comportent très très bien dans un mélange comme ça. Alors, au niveau de l'engrais, tant qu'on est dans les substrats, je vais parler aussi de l'engrais. Je leur ai mis de l'osmocote. Mais sinon, en fait, comme c'est une plante qui fleurit, vous pouvez apporter de l'engrais en liquide pour plantes fleuries, comme de l'engrais pour les géraniums. Voilà, l'engrais pour géranium leur va très bien, puisque c'est un engrais pour plantes fleuries. Donc ça leur va très bien. Et aussi l'engrais pour orchidées. L'engrais pour orchidées leur va très bien. Et comme j'utilise de l'engrais en pipite pour les orchidées, ben je vaporise le feuillage d'engrais pour orchidées. Voilà, je vaporise le feuillage. J'en profite quand je vaporise d'eau et je vaporise aussi d'engrais. Et du coup, ça lui va super bien. Et voilà, ça c'était la petite astuce, le petit détail qui fait peut-être sa différence. Après, au niveau exposition, donc moi je suis exposée Est. Les hoyas aiment la lumière. Certains hoyas aiment le soleil quasi direct, je dirais. Je ne pense pas que celui-ci aime le soleil direct. Mais aime quand même la lumière. Après, il est exposé dans une partie pas trop trop lumineuse de ma véranda. Écoutez, ça lui va super bien. Donc je dirais une bonne luminosité, mais pas non plus exposé sud, quoi. Alors, au niveau du bouturage, ça c'est top. Je l'ai testé et ça a super bien marché. Je l'ai bouturé, j'ai fait une toute petite potée que j'ai mis sur ma plantagère Aouya. J'ai coupé des tiges en fait, à peu près ça de longueur. J'ai coupé des tiges et j'ai enlevé les premières feuilles, normal pour bouturer dans l'eau en fait. Moi je les ai bouturées dans l'eau et je pense que même directement dans le substrat ça marche. J'ai bouturé dans l'eau. Ça a marché, ça a fait la blaine de racines et ça a très très vite raciné d'ailleurs. Et j'en ai fait, je crois, trois tiges ou deux tiges que j'avais mis donc dans l'eau. J'ai laissé tranquillement, j'ai laissé avoir beaucoup de racines quand même. Et j'ai même attendu que ça commence à pousser. C'est l'idéal pour rempoter. Et j'ai mis dans le substrat dont je vous ai parlé juste avant. Écoutez. Voilà, je me suis fait un deuxième Hoya linearis, plus petit que celui-ci évidemment, mais voilà, j'en ai une deuxième potée et je suis hyper contente pour ça. Donc voilà, je voulais vous présenter ce Hoya qui fait partie de mes préférés. Ce n'est pas mon préféré, j'en ai d'autres, mais je ne peux pas tous vous les montrer, sinon on passerait tout le mois de décembre à regarder des Hoya. Surtout que j'ai prévu de faire une vidéo spéciale Hoya à la rentrée. Donc, on va pas trop en montrer, trop en dévoiler maintenant. Mais j'espère que peut-être vous avez découvert un Hoya que vous ne connaissiez pas. Ou peut-être que vous étiez peut-être pas sûr et vous l'aviez peut-être pas vu. Ou vous imaginiez peut-être qu'il était compliqué à cultiver. Pas du tout, il est assez simple. Je dirais que c'est un des Hoyas les plus simples d'ailleurs à cultiver. Donc si ça vous a apporté un petit quelque chose sur cette plante, j'en suis ravie puisque c'est le but de mes vidéos. Et je pense que j'ai fait tout le tour. Vous me le dites autrement en commentaire si vous avez des questions. Je pense que j'ai tout dit, hein. Il me semble que j'ai tout dit. Voilà. Sinon, vous me posez des questions en commentaire. J'essaierai de vous y répondre. Des fois, c'est pas évident de répondre aux questions. Quand j'ai pas la plante sous les yeux ou puis même en commentaire, je peux pas faire un roman non plus. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez aller sur Instagram me retrouver en message privé. J'essaye de répondre un maximum de ce que je peux, dans mes possibilités, parce que je ne suis pas une pro non plus. Si je peux répondre ou vous éclairer sur quelque chose, ou voilà, il n'y a pas de souci. Sur Instagram, c'est beaucoup plus simple qu'en commentaire pour certaines choses. Des fois, je peux répondre brièvement à quelque chose, mais après. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche et je vous dis à demain pour une nouvelle plante. Ciao, ciao !